Au congrès de l'UNIS sur cette deuxième journée, nous recevons Jordan Simon. Bonjour Jordan. Bonjour. Bon, Jordan, vous êtes en train de, avec la société LUKO, L-U-K-O, vous êtes en train de révolutionner l'assurance, on va dire, habitation. Et donc, c'est pour ça que vous êtes là à l'UNIS. Exactement. Alors, racontez-moi un petit peu cette histoire de LUKO. Alors, nous, aujourd'hui, LUKO, on essaie de construire un écosystème autour du foyer. Et on a plusieurs types d'assurances. Et en fait, historiquement, LUKO, on s'est créé il y a à peu près 3 ans. Et on avait des boîtiers connectés et on était parti voir du coup les acteurs traditionnels du monde de l'assurance et pour leur dire qu'on avait des boîtiers connectés qu'on pouvait plugger sur les arrivées d'eau, le compteur d'électricité et on avait tout un tas de data par rapport à ça. Et finalement, on s'est dit, c'était très très long à faire avec les acteurs traditionnels et on s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Et donc, on a créé l'assurance habitation LUKO. Et en fait, c'est la multi-risque habitation, on le fait aussi en PNO. Et ça a été un peu le fer de lance pendant 3 ans de l'activité de LUKO. Et aujourd'hui, on a plus de 200 000 assurés. 200 000 assurés sur toute la France, dont des adhérents UNIS. C'est pour ça que vous êtes là. L'UNIS est un acteur majeur de l'immobilier, un des syndicats, notamment avec des administrateurs de biens. C'est votre cible. Exactement. D'ailleurs, merci qu'on soit présent sur le salon aujourd'hui. Donc, nous, on est présent sur le salon en tant qu'exposant. Effectivement, donc historiquement, on a la multi-risque habitation, l'assurance propriétaire non occupant, et on a lancé 2 autres offres, assurance emprunteur et assurance multi-risque immeuble. Et donc aujourd'hui, on vient à la rencontre des administrateurs de biens pour discuter avec eux, échanger avec eux. Et aujourd'hui, ils sont ravis de l'offre qu'on leur propose. En fait, il y avait un trophée de l'innovation. Je ne sais pas si vous avez concouru, mais les agents immobiliers sont friands d'innovation, tout simplement. Ce sont des choses qu'ils vont mettre en place pour assurer le meilleur service auprès de leurs clients. Exactement. Aujourd'hui, on se rend compte que, et ça a toujours été comme ça, mais les agents immobiliers ont besoin d'apporter une satisfaction client pour leurs clients. Ils sont sur un milieu qui est toujours aussi concurrentiel. Et donc, du coup, le fait d'apporter un service supplémentaire, une proposition de valeur en plus pour eux, eh bien, ça leur permet de les fidéliser et tout le monde est content. C'est un cercle vertueux. Tout le monde est content, y compris LUKO. Mais vous arrivez sur un terrain, j'allais dire miné, mais bon, il y a des mammouths dans l'assurance. Hein. Il y a des mammouths qui sont là depuis très très longtemps, les acteurs traditionnels. Et effectivement, nous, aujourd'hui, on a une vision assez différente du monde de l'assurance. Même pour vous expliquer le business model de LUKO, aujourd'hui, c'est du 70-30. Ça veut dire que lorsque vous avez 100 euros de cotisation, vous en avez 70% qui va pour le pot commun, pour votre sinistre, le sinistre des assurés. Et on a 30% qui vont pour LUKO et toutes les activités annexes. Et en fait, à la fin de l'année, si vous avez ce qu'on appelle le give back, si vous avez un excédent de cotisation, eh bien, on reverse à des associations traditionnelles. Et donc, vous pouvez choisir entre 4 assos. Les dernières, on a reversé 150 000 euros à des assos. Alors, ça veut dire que si je suis une association, tiens, j'embraye, vous pouvez me reverser des sous. Exact. Si je suis, j'imagine que vous choisissez des associations à but peut-être humanitaire. Exactement. On avait par exemple Simplon, on a eu Emmaüs. En fait, on va choisir que 4 associations cette année pour que justement ce soit un peu conséquent pour elles et que ce ne soit pas pléthore d'associations. Et finalement, à la fin, si c'est 150 000 euros qui est reversé sur 40 associations, le montant ne sera pas significativement élevé. Mais aujourd'hui, ça se renouvelle. Et effectivement, on a ce côté vraiment un côté éthique et social et on a envie de faire du bien dans le monde de l'assurance. On fait du bien dans le monde de l'assurance. L'assurance, c'est toujours bien, sauf quand il y a un litige qui arrive. Hein. Donc, alors, j'imagine que vous êtes très réactif. Alors, nous, aujourd'hui, exactement. La gestion des sinistres, elle est chez nous, du coup, en interne. On a nos propres équipes, nos propres experts. Elle est complètement digitalisée. Ça veut dire que les experts, s'il y a un dégât des eaux qui est mineur, bien sûr, si la maison a brûlé, l'expert va se déplacer. Mais on peut, via la téléconsultation, les services de vidéo téléconsultation, l'expert peut très vite diagnostiquer le problème et le remboursement, c'est beaucoup plus rapide. Donc, grosse réactivité. Si je suis donc administrateur de biens, je vais conseiller à mon client locataire de passer par vous, mon client bailleur, et est-ce que du coup le particulier, je suis bailleur, je suis locataire, je peux passer directement chez vous? Oui, aujourd'hui on a un parcours qui est complètement B2C. Ça veut dire qu'effectivement, si vous allez sur le site de LUKO,
Chaque personne particulière peut tout à fait souscrire à l'UCO. Le parcours est super simple. Hein, en deux minutes, vraiment, sur l'assurance locataire MRH, vous souscrivez, vous avez 8 questions. Ça va très vite. Et c'est une simplification qui est poussée à l'extrême. Ah, le digital, l'Internet, hein, ça nous a... C'est-à-dire que ça nous a sauvés. En tout cas, ça a permis à plein de startups, à des jeunes qui arrivent sur ces marchés avec un œil... C'est-à-dire plus moderne, mais aussi un œil complètement neuf, d'innover. Vous savez, toutes les grandes sociétés aujourd'hui qui sont dans le digital ou qui passent par le digital ont été créées, ont été améliorées par des gens qui n'étaient pas dans ce domaine d'activité au départ. Donc arriver avec un œil neuf, c'est plutôt bien. Exactement. Et effectivement, c'est vrai que c'est assez marrant parce que chez Luco, une grande partie des gens ne viennent pas du monde de l'assurance justement pour avoir cet œil. Alors bien sûr, on a certaines équipes qui viennent du monde de l'assurance, il le faut. Mais heureusement. Heureusement, mais on a un œil quand même assez neuf, nouveau, qui nous permet, en tout cas je le crois et je l'espère, de changer les choses. Bon ben voilà, on ne sait pas si vous gagnerez le concours, les trophées de l'innovation, mais en tout cas on dit longue vie, on croise les doigts, vous êtes au meilleur endroit possible, d'ailleurs parce que ce centre international de Deauville, il est plutôt sympa pour faire un congrès, mais vous êtes au contact des administrateurs de biens répartis sur tout le pays avec l'UNIS, vous êtes un partenaire de l'UNIS. Merci d'être venu un petit peu nous expliquer l'histoire et ce que vous faites avec l'UCO. Merci de nous avoir invités.